c'est parti. Allez, va falloir être bien fort. Avec Daphne Limoux et Laura Valop qui est largement en tête. On peut la venir. On a un tournoi à l'arrivée. Voilà, ça c'est un tournoi qui va évidemment être compliqué. Sinon, si il n'est pas compliqué. De Laura. Donc Laura, comment s'est passée cette première course de la saison en extérieur? Je suis contente de un peu trop de vent. Après, on voit les défauts à corriger, donc c'est plutôt bien. D'accord. Alors, est-ce que quand tu viens en compétition maintenant, est-ce que tu sens plus de stress, moins de stress vis-à-vis de ta saison hivernale où tu as quand même un petit peu éclaboussé tes adversaires? Est-ce que tu arrives en compétition plus stressé ou moins stressé? Comment tu appréhendes les compétitions maintenant? On sent bien, donc c'est agréable d'être ici. Après, je verrai sur les compétitions comme la France ou des choses comme ça. Ouais, voilà, il va y avoir plus. Quand tu auras plus d'enjeux, sans doute que le stress va monter un petit peu. On va dire un petit mot aussi avec ton entraîneur, parce que une performance, quand c'est réalisé par une athlète ou un athlète, il y a toujours un entraîneur derrière. Nicolas, comment s'est passée cette course pour ton athlète? Pour moi, c'est un très bon début de saison. Le départ est à parfaire. Ça a coûté notre travail un peu cet hiver, mais là, il faut qu'on continue. Et puis sur le passage de haie, je suis content qu'elle puisse développer ce qu'elle a fait sur 62 haies directement sur le 100 haies. Maintenant, on va voir avec la Fédé au niveau des besoins de performance pour la sélection olympique. Et puis on ajustera le programme en fonction. Donc on est content de jouer. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence. C'est vrai que je précise qu'en fait il y a les sélections cette année pour les Jeux Olympiques des jeunes, auxquels Laura évidemment postule, et donc ça va être un petit peu dépendant de tout ça. J'attends juste le départ du 110 m haies des garçons, et je te repose une dernière question, Nicolas. Alors là, Nicolas, c'est l'entraîneur qui va te poser aussi une question, je suis moi-même aussi entraîneur. De ce que j'ai vu, même si j'ai pas mal suivi aussi Laura sur ses vidéos sur internet, j'ai l'impression que tu attends un petit peu impatiemment qu'elle passe junior, non? Vu sa manière de franchir. Est-ce que j'ai raison ou pas? Ouais, je suis impatient qu'on aille se frotter au senior et au junior. Je pense qu'en cadette, c'est un peu bas pour Laura, c'est clair. Ça déforme plus sa technique que ça l'est. Exactement. Après, c'est l'intérêt aussi pour elle d'aller continuer à développer sa compétitivité. En cadette, elle a fait ses preuves, maintenant on va passer à l'étape suivante. Je pense que cet été, on va aller sur des meetings de la senior. C'est une bonne chose. On va faire 84 ans. En mai. Voilà. Alors Laura, il faut que tu viennes avec moi puisque j'ai un petit cadeau à t'offrir, puisque tu as remporté le challenge d'être heureux aujourd'hui. Tu vas voir, c'est très sympa ce qui t'attend. Et puis, en tout cas, je vous remercie pour votre venue et puis avec plaisir à une prochaine. Merci.